ces joueurs qui vont essayer de confirmer leur dernier résultat, Pierre. L'objectif est de s'imposer de nouveau pour marquer 6 points en 2 matchs. Réponse tout à l'heure. Les joueurs du Bayern qui s'apprêtent à donner le coup d'envoi, ils vont pouvoir lancer la rencontre. Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. Alors sans surprise, l'équipe va évoluer en 4-3-3. Un dispositif qui demande de gros efforts osés. La grosse occasion. Le ballon qui vient toucher la base du poteau, oh, c'est splendide. Un but superbe, hein, tout en précision. Petit filet, imparable. Allez, il va falloir qu'ils se réveillent parce qu'ils ont encaissé un but dès le début du match. Toni Kroos. Benzema. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Kroos. Benzema à la frappe. Et ça fait but. Bon, là, ils sont complètement démobilisés, là. Juste après avoir marqué, c'est un manque de concentration stupide. Et voilà donc à égalité un but partout. Thiago Alcantara. Le Bayern affronte un adversaire qui pourrait le mettre en difficulté aujourd'hui. Oui, au Bavarois de prendre ce match extrêmement au sérieux. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Kroos. Thomas Müller. L'arbitre qui doit intervenir. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Ribéry. Modric qui va trouver un adversaire sur cette passe. Allez, le Bayern qui part à l'assaut du but adverse. Toni Kroos. Le gardien qui va sortir, Gareth Bale. Ah, c'est dommage, hein. L'action était belle. C'était bien amené, c'est vrai. La défense a eu très chaud. Ah, je pense que l'arbitre a hésité là, pendant assez longtemps. Hein. Ah, finalement, c'est un jaune. Müller. Marcelo. Rodriguez. Thiago Alcantara. Attention, il a du champ devant lui. Est-ce ce ballon qui traîne? Il le redonne à Rames. La bonne conduite de balle. Le contre qui est lancé. Karim Benzema. Oh, le poteau, le ballon qui revient en jeu. Lewandowski. Ouais, bonne intervention de Sergio Ramos pour reprendre ce ballon. Ouais, bonne passe. Allez, le tir de Karim Benzema. Benzema. Et le but de Rames Rodriguez. Le joueur du Real qui vient tromper le gardien. Un but en deux temps, un peu chanceux certes, mais il fallait être là au bon moment et surtout garder la tête froide pour la mettre au fond. Et le Bayern est mêlé. Ouais, l'arbitrage. Un coup franc contre le Real. Carton jaune pour cette faute. Ouais, l'avantage avec ça, tu vois, c'est que tout le monde est prévenu maintenant. On s'approche de la zone de vérité. Arturo Vidal. Müller. Ah oui, cette fois, c'est fait. Pour savoir fait le plus dur, ils encaissent un but juste après avoir marqué. Et avec cette égalisation, tout est bien sûr relancé. Belle rencontre, un score de parité maintenant de 2. Ballon donné sur le côté pour Marcelo. James Rodriguez. Ils prennent leur temps. Ils posent le jeu. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Müller. Robben.
Robben et le but. Et ça fait deux buts coup sur coup. Ah, ça va bien pour eux. Le Real Madrid est mené. Ouais, magnifique, le contrôle parfait. James Rodriguez. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Ils vont peut-être parvenir à trouver la faille. Allez, avec un tir. Oh, superbe intervention du gardien. Petit exploit là. Corner pour le Real Madrid. Sergio Ramos. Ballon bien donné de la tête. Rodriguez. Un ballon perdu. L'adversaire s'est interposé. Et Sergio Ramos à l'interception. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Allez, c'est contre. L'égalisation au bout peut-être. Allez, Benzema qui s'en veut. L'égalisation là, au bout du pied, il le sait. Et on voit que c'est l'équipe qui tente le plus, qui est menée. C'est paradoxal, mais c'est révélateur aussi. Lewandowski, ça repasse par Thomas Müller. Oh, mauvais endroit pour commettre une faute. Ça va donner un bon coup franc. Ah, la vilaine faute qui coûte très cher à toute l'équipe. Mais je pense que c'est logique. Ouais, je suis bien d'accord, Hervé. Là, ça va faire mal à toute l'équipe, ça bute derrière. On revoit cette faute sur ce tacle glissé. On revoit ce tacle glissé et la faute est nette. Hein. Lewandowski. Et le but de Lewandowski. Ça nous donne toujours des buts spectaculaires hein, quand le ballon frappe la barre transversale avant de rentrer. J'adore ça. Non, mais ça, c'est parce que t'es gourmand, en fait. Il mène à présent 4 buts à 2. On a vraiment droit à du spectacle. Cristiano Ronaldo. Il redonne à Rames. Est-ce ce ballon qui traîne? Cristiano Ronaldo. Thiago Alcantara. Franck Ribéry. Et il a bien lu le jeu sur cette interception. Carvajal. Modric. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Défenseur qui ne prend pas de risque, qui dégage ce ballon. Oh, la mauvaise passe. Il ne l'a pas regardé où il la mettait. Oui, Vidal a bien anticipé. Et le gardien qui va tenter de l'arrêter. Il n'y a plus que lui. Bien, Franck Ribéry. Ah oui, magnifique, la parade du gardien. Et ils obtiennent le corner. Cristiano Ronaldo. Ça part bien, action dangereuse. Et tenter d'alerter Cristiano Ronaldo, mais le ballon n'arrivera pas. Robben. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Ouais, il avait senti le coup, Toni Kroos, il était sur la trajectoire. Là. Allez, changement, il sort après avoir rendu une copie bien pâle. Oui, ça me paraît logique. Il va falloir mettre les bouchées doubles à l'entraînement. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Rodriguez. Et ça repasse par James Rodriguez. Est-ce Cristiano Ronaldo. C'est le défenseur qui touche le ballon en dernier. Corner donc.
Et la voilà la frappe. Ce sera une sortie de but. Le Real Madrid qui s'approche du but. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Vidal. Et il est dépossédé du ballon. Ouais, c'est bien dosé. Et faute, et coup franc bien placé. Et le tacle était dangereux et l'arbitre n'a pas hésité une seule seconde. Carton rouge et pénalty. Oui, oui, c'est totalement mérité parce que même s'il a... À là-bas, bah, c'est contré. Benzema. Morata. Il se dispute ce ballon. Ribéry. Le Bayern de Munich à l'attaque. Benzema qui perd ce ballon. Gareth Bale. Benzema. Vidal. Ouais, il y a beaucoup à jouer sur ce contre. Il cherche un partenaire en profondeur. Ouais, le tacle glissé. Benzema. Cristiano Ronaldo. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Bon tacle défensif pour envoyer ce ballon en touche. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Thiago Alcantara. Marcelo. Bale. Benzema. Allez, qui va reprendre ce ballon. Intercepter la passe de Franck Ribéry. Morata. Hors-jeu, hors-jeu. Oui, monsieur l'attaquant, il faut s'arrêter. Attention, ça peut être dangereux. Ouais, c'est le face-à-face avec le gardien. Bon, pénalty. Ah, c'est net, oui. Pénalty indiscutable. Bon, pénalty. Pénalty. Il manquait plus que ça dans ce match. Ouais, bah si le pénalty est transformé, alors là, il va voir vraiment. Ouais, directement sur le gardien qui n'a même pas eu à bouger. Finalement, c'est repris par Vidal. Ouais, le ballon qui est perdu. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Oh, attention, il a déjà un carton. Ah, c'est le rouge. C'est le rouge. Carton rouge pour l'attaquant. Pas trop d'engagement sur cette action. Bah, c'est de sa faute, il n'y a rien à dire. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Les défenseurs qui vivent un véritable... Allez, l'occasion de recoller avec un but, là. Le gardien qui repousse, attention! Le ballon qui est sorti, sorti. But. Lewandowski. Allez, le Bayern qui part. Le gardien qui va sortir. Müller. Le défenseur qui contre ce ballon. Morata. Müller. Il s'avance vers la surface. Il parvient à stopper cette offensive. Isco. Faute du joueur du Bayern.
d'après l'arbitre. Raphaël Varane. C'est finalement un ballon perdu. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Et il a bien lu le jeu sur cette interception. Ouais, bien évité le tacle. Ça part bien, action dangereuse. Ouais, ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Il ne reste plus que 9 minutes à jouer hein, dans cette partie. Bale. Isco. Oh, il va marquer. Allez, celui a dû les remettre en confiance. Tout est relancé maintenant. Ambiance des grands jours à Santiago Bernabéu. Avec le public madrilène qui pousse. Oui, qui pousse pour voir le Real égaliser dans ces dernières minutes. Rencontre passionnante. Le score qui est à présent de 4 buts à 3. Isco. Le Bayern de Munich à l'attaque. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Douglas Costa. Ouais, la bonne passe. Ah, facile la récupération. Allez, dans l'espace. Bien récupéré, bien joué. Isco. Jérôme Boateng qui est là pour intercepter. On s'approche du but. Il a vu son partenaire qui lui demande le ballon. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. On aura droit à 3 minutes de temps additionnel, au minimum. Hein. Cristiano. Cristiano Ronaldo. C'est la toute dernière attaque, je pense. Morata. Ah, dans les occasions comme ça, il ne faut pas les rater. Dire qu'il avait l'égalisation au bout du pied sur ce ballon. Ça, c'est sûr qu'il peut s'en vouloir. Hein. Müller. Ouais, peut-être une situation intéressante, là. Il tacle. Il a un petit peu d'espace, il peut centrer. Voilà, c'est terminé. Victoire qui va faire plaisir aux supporters du Bayern de Munich. Et voilà, les joueurs qui sont regroupés sur le petit podium qui a été installé dans le rond central. Ils ne sont pas foulés sur le podium. Hein. C'est vrai que c'est pas super, mais bon. Bah, les joueurs s'en fichent. Hein, et... Ouais, ce qui compte, c'est le trophée qu'ils vont pouvoir brandir dans quelques minutes maintenant devant leurs supporters. Ils ont l'air impatients, voilà, ça tapote, ça sautille, ça chahute. Les fameux papelitos hein, qu'on voit maintenant sur toutes les remises. Ça y est, voilà, la coupe est brandie. Superbe victoire devant une foule en liesse. Hein. C'est vrai que c'est un résultat qui était attendu par tout un club. Oui, et puis voilà, la joie est très pure et très sympa à regarder. Et très communicative. Oui, je sens qu'il est heureux. Allez, il va y avoir la photo souvenir, Pierre. Voilà. Il faut être bien placé sur la photo, là, si possible. Voilà, alors ceux qui n'ont pas de goût, tu la retrouveras dans le salon. Ceux qui ont de la dérision, tu la retrouveras dans les toilettes. Et moi, je pensais sur la photo, celui qui est derrière, on ne le verra pas. Ouais. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Cross. Benzema à la frappe.